Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Sadek continue de tacler les influenceurs. Pour lui, ce sont tous des arnaqueurs, des menteurs, des cocus, des sorciers, etc. Je vous laisse avec la vidéo. Ok, los amigos, las amigas, ya vous avez compris. Vous en avez marre que ça prenne du temps. Vous voulez casser la fourmilière une fois pour toutes, les sortir de leur maison et les faire dormir dans le désert. On va se créer ce foutu canal Telegram. Je vais me poser une petite demi-heure, ça me suffira amplement pour comprendre ce réseau. Et une autre question, pourquoi est-ce qu'elles font tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui remonte en fait dans la gorge? Les filles, je voudrais vous parler d'un nouveau produit. C'est les anciens souvenirs? Quand ça bouffait le lait de chamel? Parce que là, c'était pas le caca, c'est pas le caca. Le caca, c'est... C'est quoi? Qu'est-ce qui est resté bloqué? Dites-le moi. Moi, je suis fils de garagiste. S'il reste du cambouis, je peux vous aider. Je suis là pour vous aider de toute façon. On est 3,5, t'as capté? Comprendra qui pourra comprendre. On est 3,5. Ça veut dire, quand je vous dis un canal Telegram, les gars, doucement. Racontez pas vos vies, vos trucs. On est dans une guerre. Il faut les faire. Vous savez, c'est l'extinction de l'espèce, comme dirait Malky. C'est l'extinction de l'espèce. Autre chose. Tu vois la fusée, tu regardes tes sous. Tu joues au démineur, tu vas perdre tes sous. Le casino en ligne, tu perds tes sous et t'as pas la sensation. T'as pas des Chinois à côté de toi, des trucs, tu vois. T'as pas cette sensation. Des Chinois, des Juifs, des Arabes, t'as vu, t'as pas des humains en fait à côté de toi. Tu vois. C'est les populations que moi j'ai toujours vues au casino. Hein. J'y ai beaucoup fréquenté. J'ai pas fait un album qui s'appelait Nique le casino, juste parce que j'aimais bien Las Vegas en tant que ville touristique. J'y ai perdu les sous, évidemment. Et j'en ai gagné aussi, mais beaucoup moins que j'en ai perdu. C'est la loi du casino. Mais au moins, au casino, tu as ce petit plaisir. Là, tu ne l'as pas du tout. Là, tu perds tes sous à côté de tes sahabs, tu perds ta paix humain autour de toi. Tu vois? Si, enfin, tu as des humains, mais en général, on sait très bien comment ça se passe. Tu joues dans ton coin comme une petite picave. Et quand les autres disent, on va manger, on va au cinéma, on se fait un karting. Toi, tu dis, non, en ce moment, je fais attention. Ah, c'est raisonnable. Non, en ce moment, je fais attention. Je vais rentrer me reposer, tiens. Je vais me mettre un film. C'est toi, le film. Et quand tu vas recevoir ta paix, tu vas faire encore pareil. Ah, crois en toi, mon grand. Crois en toi, parce que sinon, je vais venir te prendre un coup de bourre-pif et je peux te dire qu'il y en a plein qui me craignent à la bagarre. Tiens, regarde celui-là, c'est lui, Hurricane. Le coup de poing le plus rapide. Tu vas pas venir. Je peux te dire que dans les ports, on en a fait de la castagne. Je peux dire que nous, on était marins pêcheurs. Dans les ports, on a... Tu vois? Tu n'as pas vu? Enchaînement. J'en ai placé 4. L'œil humain ne peut même plus suivre. L'œil humain ne peut même plus suivre. Ça me craint dans toute la France pour ma... Je propose vraiment un truc aussi, les gars. Alors, je suis pas le plus grand sportif du monde. Je pense que ça se voit. Ouais, ça, c'est rien, ça. Je sais qu'on aurait dit le ventre, mais non. C'est pas des pecs, hein. Venez, on arrête de dire octogone. T'as vu, il y a des gens comme Cyril Gane, comme Chet Congo, qui se battent pour de vrai, qui ont de la discipline, qui ont de la rigueur, qui aiment ce sport. Qui, comme dirait Patrice, I love this game. Eux, ils love vraiment this game. Venez, on respecte leur game. Et venez, vous savez quoi, quand on se propose des trucs comme ça, on se dit, je te propose une petite bagarre de bouffons, une BDB. Viens, on se fait une bagarre de bouffons, ou un match de catch. On se dit un BDB ou un MDC, un match de catch. Hein? Arrêtez de dire octogone à tout va. Wallah que quand vous allez voir les gens, vous allez plainter au pentagone. Ça va finir en pentagone cette histoire, on sait très bien. Hein? Bande de pintades, ça va jamais finir en octogone, ça finira en pentagone. Venez, on respecte les gens, t'as vu? Venez, on respecte leur sport. L'UFC, ça vient d'arriver en France, on respecte. Voilà, un match de clown. Venez, on se dit, on se fait un match de clown. Parce que moi aussi, je suis un clown, hein. À vous répondre, à truc, à vous prendre au sérieux, là. Démarrage, je suis v'là le clown, je suis v'là le trimard, à répondre à des méchantes petites métisses, à des blondinets menteurs. Oh non, je suis v'là le trimard, en vrai, je suis v'là le trimard. Je devrais vous dire, comme ça, peut-être c'est ça le langage que vous comprenez. Parce que moi, je suis chaud pour tout. On peut se battre les mains dans le dos. On peut prendre un pistolet 357 Magnum, mettre une seule balle dedans et voir qui survit. On peut se coller dos à dos, marcher 10 mètres, se retourner et tirer. Sans caméra. On peut faire la guerre pour de vrai.
Mais vous, non. Vous êtes des pintades. Donc, le terme exact, venez, on se dit, comme ça, au moins, les gens sur Internet, ils savent que ça ira pas au bout. On se fait un pintade. Ah, mais non. Mais moi, j'aime pas donner de l'espoir aux gens pour rien. Alors, venez, ce qu'on fait à partir de maintenant, vu que vous êtes tous une belle bande de pintades, et de truffes, de pintades aux truffes, de truffes pintadées, venez, comme ça, les gens, ils savent que ça ira pas au bout, ils perdent pas leur temps, au moins. C'est comme un, quand je te dis, un, je vais t'emmener dans un bête de restaurant, je vais t'emmener dans un bête de restaurant, je t'emmène dans un bête de restaurant. C'est vrai que ça se trouve, c'est un bête de restaurant. Mais à force de l'avoir répété 100 000 fois, eh ben, quoi qu'il arrive, je serai déçu. Donc, bande de petites pintades, venez maintenant, on abandonne l'octogone, on le laisse pour les hommes, et nous, on se parle en pentagone. Hein? Un gone de pintade. Bande de petites pintades, venez, on parle en pentagone. C'est mieux. Au moins, comme ça, les petits comprennent qu'on est tous des menteurs, qu'on est tous des merdes, enfin. Vous l'êtes, parce que moi je suis prêt à tout. Il faut quand même que je regarde la route, parce que c'est pas ma voiture, mais la tête de ma mère, je la rentre dans le mur. Comme ça, au moins, on est clair. Tu vois, c'est comme dans les films avant les trucs, toute ressemblance avec les personnages réels, bah, évidemment, bah, c'est bon, je crois qu'on a compris que c'est de la fiction. Vous êtes des pintades, des clowns, de très mauvais acteurs de série B. Des acteurs qui regardent ceux de Plus belle la vie comme les plus grandes stars d'Hollywood comprennent le message. Et de l'autre côté, dans la perversion, je peux te dire que Game of Thrones, à côté de ce que vous faites, c'est Disney dans le monde grand. Entre la sorcellerie, la transsexualité, la consanguinité, ah, il faut pas s'étonner qu'il y a autant de malheurs qui vous arrivent dans vos vies. Hein. Parce que vous pouvez vivre dans les plus grandes maisons du monde, vous savez très bien que vous n'êtes pas heureux. Et ça serait bien que les petits comprennent, en fait, vraiment, vous êtes la définition de l'argent ne fait pas le bonheur. Des cocus, des merdes, des arnaqueurs, des gens complètement perdus, des menteurs. Oh, j'en passe en heure, il y en a plein. On va bientôt apprendre aussi des belles histoires de violeurs, hein, comme notre ami de Manchester. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Maintenant, je voulais vous parler d'un plan sous révolutionnaire qui va vous permettre de faire beaucoup d'argent pendant les prochains jours, normalement. Vu que là, la télé-réalité, les crèmes sur le visage, tout le monde a compris que vu qu'on se refait la gueule, bah en fait, on les utilise même pas. Donc, c'est une application française qui s'appelle PE, Pôle emploi. Voilà, sur lesquelles ils proposent des formations. Des CDI, des CDD. Normalement, vous allez pouvoir gagner un max de fric avec ça. C'est un petit peu le bordel sur le groupe là, mais comme on est lundi, c'est reparti de plus belle. Il y a quelque chose que je voulais partager avec vous, que j'ai cramé chez ces petits bâtards, mais en direct, moi je l'ai cramé, je l'ai pas cramé comme vous avec des captures ou quoi. Vous voyez ces petits bâtards, ils ont tous le même wallet. Oui, aujourd'hui on a gagné 400 000, 500 000, waouh! C'est tous le même, ils ont des identifiants, ils se les passent entre eux. Et là, je sais qu'ils sont en train de trembler du cul quand ils entendent ça. Ah, ça va vous faire tout drôle. Ah, il va y avoir du divorce. Ah, il va y avoir du divorce et des chemises. Ah, bah, de toute façon, hein, ça serait rendre la monnaie de votre pièce. Tiens, un dirham. Tiens, un dirham, c'est ce que vous méritez. Je crois qu'il va y avoir des mendiants, là, bientôt, à Dubaï. J'ai créé l'adresse mail. Vous pouvez tous maintenant envoyer vos conneries dessus. Elle s'appelle Yo-Yo versus Putos. Parce que dans le groupe, il y a des petits malins qui sont venus pour faire des pubs. Comme quoi, quand on essaye de faire des choses correctement, les premiers à nous niquer, eh ben, c'est nous. Mais ça va vite ici. C'est pour ça qu'ils veulent. Bah!